Salut, bonsoir, c'est Polo et bienvenue sur Super Mario 3D World. Et la dernière fois, on s'est laissé ici. Alors, nous allons commencer la partie avec ce niveau. Ça va être super magnifique parce qu'après ceci, on pourra jouer à un niveau château. C'est-à-dire, tu es Bowser ou tu es l'un de ses fistons ou tu es l'un de ses bonhommes adoptés. Je sais pas, on verra. What the fuck? J'ai mangé une cerise et je me suis coupé en deux. Oh, je me suis pas coupé en deux, je me suis juste cloné. Mais vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Hey, c'est bien cool! Je me demande si tu joues ce jeu à 4 joueurs. Est-ce que tu auras 8 personnages sur ton écran? Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas, mais bon, en tout cas. Wouhouhou! C'est tellement génial! Wow! Je savais pas qu'il y avait un truc de ce genre. 8 personnages, come on! Oh, ok, ok, non, c'est bon, c'est bon. Moi qui croyais que je pouvais avoir 8 personnages, mais qu'est-ce que je dis là? Je suis en train de rêver en couleur, n'est-ce pas, les amis? Bon. Bam, bam, bam. Wow! Wow! Une armée de Peach en train de massacrer tout le monde comme ça! C'est tellement cool! Je vais pas laisser une seule Peach mourir, vous allez voir. On va être 4 Peach à la fin. Je suis sûr qu'il y a une autre cerise quelque part d'autre. Attendez une seconde. Maudit. Oh, t'as pas. Tabarnak, ok, attendez une seconde. Voilà. Yep. Oup. C'est bon. On va faire ça comme ça. Oh oui! 4 Peach, les amis! Une armée de princesses partout, c'est tellement génial! Oh my god! Attendez, il faut que j'amène les Peach en haut, voilà. Et c'est bon! Regardez ça! C'est tellement génial! Oup, oup, oup. Attends, hop, hop! Yeah! Attends, non. Yeah! Ça, c'est le son des vrais cheerleaders! C'est tellement génial! Je ne sais pas pourquoi je niaise comme ça, là, mais bon! Maudite armée! Bah, 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 bah. 5 Peach! Est-ce que t'es sérieux? Voyons donc! Moi qui croyais qu'il allait seulement avoir quoi, 4 cerises, mais il y en a des tas et des tas! Oup. Ça, voilà! Allez, attends, c'est pas terminé! Oh! Voyons donc, c'est tellement difficile! Ok, ce qu'on va faire, c'est aller à gauche, parce que j'ai vu des blocs, il y a sûrement une autre cerise! Voilà! Maudit! Pas sérieux. Non, il y a une étoile là. Oh, esti, j'ai fait mon con. Oh, c'est vraiment. Attendez une seconde, c'est pas terminé. Oh, c'est pas terminé. Ok, voilà. Allez-y. C'est une étape. Oubliez ça. Mais bon, c'est mieux que rien, n'est-ce pas? Wouh. Bondi. Attends. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Et qu'est-ce qui arrive si je vais là? Ah, dac. Bon. Attendez une seconde, y a-t-il des trucs ici? Non, y a vraiment rien. C'est bon, on y va. Comme ça? Maudit! Ok, j'ai pas besoin d'amener tous les Peach là-dedans, c'est génial. Oh, y a seulement 5 cerises. Oh, ça serait tellement cool s'il y en avait plus. Oh, il fallait 4 Peach ici? Ah, d'accord! Donc on a tout trouvé dans ce niveau, c'est magnifico. Yup! Non, attendez. What the hell? Attends, est-ce que je peux le faire? Maudit! J'essaie de faire le saut comme ça. Non, pas ce saut-là. Ça, là, oui, attendez. Pourquoi ça marche pas? Oh, c'est sûrement parce que je glisse! J'ai tué une Peach! Oh, mon Dieu! Non! Je n'arrive totalement pas à croire que je vais redevoir jouer à ce niveau hors vidéo juste pour atteindre le sommet du poteau. Écoutez, j'étais en train de regarder les 3 Peach qui étaient sur la plateforme en haut. J'ai pas regardé le petit bonhomme qui était en bas. C'est pour ça que j'ai foiré mon coup. Et depuis le début, ce que j'aurais pu faire, c'est flotter jusqu'au poteau. Mais moi, je voulais vraiment faire un saut de la moelleté. Et à cause de ça, j'ai foiré mon coup. Voyons donc. C'est vraiment dommage. Mais bon, c'est fun comme jeu. Alors, ça me dérange pas de recommencer la partie plusieurs fois. Oh mon Dieu! Maudit jouet! Voilà. Oh. Ça me fait rappeler au niveau qu'on retrouve dans Mario Bros 3. Ouais, les niveaux bateaux. Ouais, c'est quasiment la même chose, sauf que l'écran est un peu bougé là. Et je peux pas bouger mon écran. Ouais, c'est vraiment dommage. Parce que d'habitude dans ce jeu, ce qu'on peut faire, c'est bouger l'écran pour que ça nous convienne le plus. Et ici, je ne peux pas le faire. Ouais, ils ont locké ça. C'est vraiment dommage. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! No way! Oh mon Dieu! Je peux faire ça aussi? C'est tellement génial! Bam! On va déclencher ces canons comme ça. Voilà, c'est magnifico. Et c'est trop cool! Il y a tellement de power-up dans ce jeu, je ne savais vraiment pas. Bam! Voilà.
Il y a des gens qui ont vraiment dit que ce niveau, ce jeu possède des niveaux de rage, mais je ne vois vraiment pas comment les niveaux de rage peuvent apparaître ici. C'est sûrement les derniers niveaux, les niveaux étoiles et les niveaux secrets en fait. Ouais, c'est sûrement ça. Alors, en tout cas, lorsqu'on va arriver à ce niveau, je vais comprendre. Oh! Bon, voilà, merci pour cette étoile. Jameson! Attends, j'ai même pas pris cette étoile. J'ai vraiment cru que j'avais pris l'étoile, je suis vraiment désolé. Parfois, je suis pas attentif. Un autre canon? Vraiment dommage. Mon Dieu! Voilà! Luigi, merci beaucoup. Papa, on va massacrer tout le monde. Qui veut manger du barbecue ce soir parce qu'il y a de la bouffe en maudit? Bon. Et bon. Ok, il y a encore un bonhomme de vivant. Et c'est terminé. Je suis sûr qu'il y a de quoi ici. Regarde. Si j'avais la boule de canon, j'aurais pu détruire ceci. Je vois des cracks. Oh, c'est vraiment dommage. Mais bon, au moins je sais où se retrouve la dernière étoile. Non. Ah, voyons donc, j'ai essayé de flotter comme un fou. Cela n'a pas marché du tout. Est-ce que je peux sauter sur sa carapace? Ok, oui, c'est cool. Bon, non. Non. Oh, voilà. Ce que je voulais faire, c'était ceci. Mais j'avais complètement... Oh non, j'avais complètement paré mon coup. Si je faisais ça comme ça... Meurs. Brûle. Ok, j'ai réussi à le brûler. C'est magnifique. Je me sens vraiment mal d'avoir tué un petit garçon. Là, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Il a... Je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour vrai? Ok, oui. Sa famille a kidnappé des fées. Et ce n'est pas bon ça du tout. Non. Voyez, vous voulez, c'est eux les méchants. Moi, tout ce que je fais, c'est faire mon devoir de héros, sauver l'humanité. Bah. Et ho. Mais qu'est-ce qui se passe avec moi aujourd'hui? Je n'ai même pas atteint le sommet du poteau. Oh. Eh bon, regarde, c'est correct, je vais le faire plus tard. Yeah. Oui. Je vous parie que cette fois-ci, on va sauver une fée qui est de couleur rose. Ouais, rose. Quasiment ça à 100%. On a sauvé une fée verte, une fée jaune, et maintenant c'est rose. Ok, oui, on est en train de sauvegarder, c'est parfait. Donc, allons-y, voyons voir ce qui va arriver. Monde de glace. On est dans un monde de glace. Oh, d'habitude, les mondes de glace sont tellement magnifiques. Maudit! C'est une fée bleue? Mauve? Ouais, quelque chose comme ça. Oh, voyons voir si les plateformes vont glisser en maudit. J'adore les niveaux de glace dans les jeux de Mario. C'est tellement là, magnifique. C'est tellement cool. C'est pas vraiment un niveau de glace, mais c'est un niveau hivernesque, si je peux dire ça comme ça. Hivernesque, c'est pas un mot. Mais bon, en tout cas, on est sur Internet, on dit ce qu'on veut, n'est-ce pas? Oh, oh, oh! Wow! Ok. Oh, est-ce que je peux jouer avec ça? Nice! Ok, c'est cool. Bon! Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais utiliser plein de bouboules pour le massacrer. Comme ça. Ah, c'est vraiment dommage. Mais bon, en tout cas. Wouhou! J'ai comme vu quelque chose ici. Hein? Oh! Oh! Wow! T'es pas sérieux. Oui, c'est cool. Bon, on y va. Tranquilo. Bien. Hop! Non! J'allais me faire fourrer dans le cul! Maudit! Mais... Ah! Voyons donc! Je veux juste rentrer là-dedans! Ok! Ça m'a pris tellement de temps, c'est pas croyable! Hop! Attends! Ah non, voyons! J'ai totalement foiré mon cul, c'est pas bon ça! Voilà! Bon, on va tout simplement partir d'ici. La plume! C'est la première fois que je vais la voir. D'habitude, j'adore les plumes. Le tanou qui saute, c'est tellement cool. Est-ce que je peux voler avec ça? Oui, je peux faire ça, mais attendez une seconde. Ah, ok. Je peux flotter un tout petit peu. Maudit Goomba avec son patin à glace. Ah, c'est tellement cool ce jeu. Pourquoi j'ai pas joué à ça depuis que c'est sorti? Est-ce que je suis con? J'ai perdu ma vie. On va lancer les bouboules comme ça. Et... BAM! On va jouer au soccer!
Je veux dire football. Ouais, c'est vrai, il faut dire football. Voyons donc. Voyons donc. C'est tellement génial. Oh mon dieu. Non. C'est tellement dur de contrôler ceci. Ouh. On l'a eu. Mais c'est quoi le truc que je reçois? Et oh, le tanou qui saute. Ok, nice. Je peux pas sortir de là, hein? Ok, oui, oui, je peux sortir de là. C'est magnifique. Depuis tout à l'heure, j'essayais de sortir de mon patin. Maudit. Maudit. Reviens ici. Non. Non. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il est revenu ici, mais ça m'arrange. J'allais tomber. Mais j'ai cru que j'allais tomber, pour être honnête. Hop. Yeah. Ah, come on, come on, come on. Ah, voyons donc. Je peux l'avoir, je suis sûr à 100% que je peux l'avoir. Hey, what the... Ça. Hop. Je vais pas partir d'ici tant et aussi longtemps que je ne l'ai pas. Hop. Oh, ok. Je vais chercher ça plus tard, ne vous en faites pas. Ouh. Le niveau est terminé, d'accord, d'accord. Allez, on y va. Wouhou! Yes, sir! Le tanuki saute est tellement génial, je l'adore. Ah, 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 ah. Gauche ou droite? On va aller à droite. Maison hantée, pourquoi pas? Me semble que j'ai jamais joué à un niveau de maison hantée. Shifty Boo Mansion. Bon, ok, c'est haut. Let's go! Let's go! On tombe! Oh, je peux pas le massacrer, c'est vraiment dommage. Bon, moi j'ai tenté le coup. Je sais que dans les jeux de Mario, on peut pas les massacrer là, mais bon. Moi, je veux pas prendre la pleufleur parce que je préfère ce soute. Si je tentais d'aller là-dedans, comme dans Super Mario 64. Ça marche. J'ai vraiment fait n'importe quoi et cela a marché. C'est pas sérieux. Waouh, ok, c'est cool. J'ai vraiment tenté le coup parce que j'ai vu que ce jeu prenne beaucoup de références, mais... Ce jeu prend beaucoup de références des autres jeux comme Super Mario Bros 3, il me semble Mario Bros 2 en ce qui concerne le choix des personnages et tout. Alors je me suis dit, pourquoi pas sauter dans la peinture pour voir si je peux rentrer dedans comme dans Super Mario 64. Et cela a vraiment marché. Je suis vraiment impressionné. J'ai vraiment fait n'importe quoi, les amis. Hop. C'est terminé. Voilà. Faut vraiment tester des choses dans ce jeu. C'est fou. Bon, ça sert à rien d'aller à gauche. Oh, j'ai vu des plateformes en haut. Oui. Maudit. Maudit. Ah, ok. Ça sera pour plus tard. Fuck that shit. On y va, les amis. Pas le temps de niaiser. On va tourner en rond comme ça. Wouhou. Non, non. Je ne veux pas de ça. Oubliez ça. Maudit. Quand je te regarde, tu ne me regarderas pas. Faut toujours fixer les yeux, les fantômes, les amis. Si vous rencontrez des fantômes dans la vraie vie, fixez-les et tout va être petit guidou. Maudit! Ils m'ont bien eu! Je vais aller à gauche, je suis sûr qu'il y a de quoi. Il n'y a rien d'intéressant pour être honnête, c'est vraiment dommage. Ah, allez, on y va. Hop! Ça, rentre là-dedans. Bon! C'est vrai, ce sont des fantômes, je peux pas les tuer. Maudit! C'est correct. C'est correct. Là? Ouh! Pourquoi je suis venu ici chercher ceci? Voyons donc. Oh, ok, ça, ça fait mal. Et hop. Ouh! Il y a 20 sofa. Ah, ok, non, ça fait rien. C'est bon, on y va. Maudit. Non. Non. Laissez-moi tranquille. Non. Oh, what? Ah. Pendant un instant, j'avais cru que j'avais gagné. What? Ok, celui-ci, c'est le bon. Ah. Je n'arrive totalement pas à croire que je me suis fait troller par des fantômes. Voyons donc. Peace. Il n'a pas vraiment fait peace, mais bon. En tout cas, les amis, ça va être tout pour l'instant. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur Super Mario 3D World. N'oubliez pas de passer une bonne journée et on se voit la prochaine fois. Bye bye!